Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Civilization 6 Rise and Fall. C'est l'épisode 20, si je ne m'abuse. Et... Habitants de Rouen, vous êtes sains et saufs. Comme on l'a vu dans le dernier épisode, la guerre inutile. Ah, oh, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait deux rivières l'une à côté de l'autre, là. Ouh la vache, ça fait bizarre. Ok, alors, la dernière fois, on avait fini le Christ Rédempteur. On avait fait trouver plus d'artefacts. D'ailleurs, merci à ceux qui ont laissé des conseils pour les artefacts, notamment le fait qu'on peut voir la date avant de cliquer sur la provenance, donc ça c'est plutôt cool. On m'a donné aussi comme conseil... Ah oui, j'ai plein de pétrole, la vache. Ah oui, j'ai même sacrément de pétrole, c'est même assez étonnant. On m'a donné aussi comme conseil, apparemment, de... Bon, il y en a qui disent de faire des espions chez les Américains, je suis assez d'accord, parce que les Américains ont l'air d'être très avancés scientifiquement. Donc s'il y a bien quelqu'un qui vise une victoire scientifique, c'est eux. Et on m'avait aussi conseillé de faire l'informatique, qui parce que ça permet de doubler le tourisme ou je sais pas quoi. Il me semble que c'est les réseaux sociaux dans l'informatique. Enfin, non, oui, il y a Internet. Il y a Internet qui permet d'augmenter le tourisme. Donc on fera tout ce qu'il faut de toute manière pour augmenter le tourisme. Ah ben voilà, tiens, on va pouvoir tester. Voilà. Artefact trouvé, ok. Notre agent a découvert les vestiges d'un campement barbare dispersé par Catherine de Médicis, blablabla. Ah, ok, j'ai même pas eu le choix. Ok, bon, bah. Un artefact de l'ère classique. La hache de Catherine, ma foi. Bon, bah, ok. Alors, apparemment, le bonus de thématique est actif que si on a 3 œuvres. Donc, voilà. Le problème, donc là, j'ai un artefact de l'Antiquité. J'ai un autre artefact de l'Antiquité. J'en ai un de l'Antiquité. Mais voyez, en fait, si, là, j'en ai un. J'ai de quoi faire, bah tiens, comme on a deux masques. Normalement, maintenant, voilà, je peux déplacer. Et voyez, thématique. Et du coup là, bim, ça booste le tourisme. C'est pas non plus incroyablement incroyable ou autre chose, mais c'est toujours ça. Est-ce qu'on a un autre truc de l'ère... Ah, on a un autre truc de l'ère classique, mais le problème, c'est que ça vient aussi de Catherine de Médicis. Ah, dommage, dommage. Foutu Catherine. On a fini avec tout son vieux bordel. Mais bon, c'est pas grave, je suppose, hein, on fera avec, hein. Ouais, et du coup, maintenant, les trois musées sont remplis, donc on pourra pas faire grand-chose. Bon, bah, pour le moment, ce truc-là est bloqué, donc on va viser d'autres objectifs de tourisme, hein. Bon, l'Opéra de Sydney, ça arrive bientôt. Ça, c'est cool, je n'aime pas du tout ce que vous mijotez. Que penseront vos amis de sa dénonciation? On occupe d'une de ces villes? Non, ce n'est pas vrai. Je ne vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs, ça aurait été un moment parfait de lui déclarer la guerre avec Rouen en moitié cassé, mais bon. Je suis bon et miséricordieux. Je ne ferai pas de telles atrocités. Surtout, ça va aller contre ma victoire culturelle si je fais ça. Parce que ça va énerver les autres. Et du coup, personne ne me fera confiance. Et ça, je ne veux pas. Tout le monde est toujours allé avec moi. Enfin, tous ceux qui m'aiment bien, en tout cas. 45 tourisme sur 165. Allez, plus vite, les touristes. Venez chez moi. Il nous faudrait plus de... Ah oui, on m'a conseillé aussi de faire des zones, plus de zones industrielles. Parce qu'on m'a dit que je n'avais aucune zone industrielle. Ce qui est faux, parce que j'en ai une juste ici. Oui, j'ai une zone industrielle, au moins, ok. Il me semble qu'il y en a une. Non, il n'y en a pas ici, ok, bon. Bon, j'en ai une, quoi qu'il arrive. Il me faudrait plus de comptoirs commerciaux en réalité. Plus de ports, si je peux faire des ports. Afin d'avoir plus de trucs. Un espion ennemi tué. Amsterdam a vu un espion de l'Empire américain battu lors d'une mission de vol d'optimisation de technologie. What the fuck? Pourquoi un vol de technologie en plus, quoi? Le meilleur moyen de me foutre dans la misère, ce serait un vol d'œuvre d'art, mais bon. C'est pas grave, je suppose. Hein. Bon, je vais aller dénoncer l'américain. Enfin, je vais aller lui dire, hé, t'arrêtes. Hein. Parce que c'est pas bien. Vilain, vilain américain. Et hop, je mets une tape sur le doigt. Ok. Petite plateforme commerciale. Ouh, plus 3 ici, mais je perdrai ma prod. J'ai pas envie de perdre ma prod. Ma prod, c'est la vie. La prod, c'est la vie. Ok, bon. Je pourrais éventuellement... Il me semble que le marbre pourrait donner un bonus si je l'exploitais. Donc je vais mettre le truc là, peut-être. Je sais qu'il y a peut-être un bonus avec ça, mais il me semble que le marbre exploité donnerait un bonus au truc commercial. Donc c'est, on va parier là-dessus, tout simplement. Il faudra d'ailleurs que je fasse plus de trucs ici. On pourrait peut-être acheter un petit bâtisseur. Ouais, ça ferait pas de mal. Allez, un petit bâtisseur. Bim! Tour suivant. Ok. Alors. Ouais, il faudrait exploiter ce pétrole. Bon, pour le moment, je peux pas.
Je peux exploiter seulement celui qui est à terre parce qu'il faut une autre technologie pour celui qui est dans la mer. Votre ambassade serait un vrai plus pour notre capitale. Yes. Yes, yes, yes. No problemo. Soyons copains. Prends mon tourisme. Prends mon tourisme. Viens voir mes magnifiques œuvres d'art et tout ça. C'est génial. Viens. Viens. C'est à peu près ça en fait. Ah bah tiens, un artiste illustre. Vous avez suffisamment blablabla. Est-ce que je peux voir? Ok, alors on peut voir ce qu'il va faire. Il va faire deux paysages, trois paysages. Je veux justement des paysages pour mes bonus de thématique. Donc viens, viens mon petit. Ok. Est-ce que Paris est bon niveau Vous avez besoin d'égout à Paris? Non, vous n'avez pas besoin d'égout. Ça puera juste un petit peu plus, c'est pas très grave. Vous vivrez bien avec un parisien, n'est-ce pas? No problemo, hein. Alors, faisons un nouvel espion. C'est ce qu'il me faut actuellement. Ok, alors voilà, Jean-Michel est ici. Jean-Michel va partir là. Hop, parce qu'il y a de la place là-haut. Et toi, là, tu vas aller m'exploiter d'abord ça. Hop, petit bonus de prod. Et puis t'iras exploiter le marbre. Et je pense, j'espère, ça donnera un bonus d'or à cette case. Normalement, je suis pratiquement sûr. Opéra de ciné deux tours, ça devient nice, ça devient très nice même. On avait une troisième merveille ici, la tour Eiffel. Ne pas oublier de, du coup, aller aider à booster la tour Eiffel, tiens. Ah bah tiens, oh, on a du pétrole en plein milieu là, ça c'est très bon. C'est très très bon même, je dirais. Donc ouais, est-ce que je pourrais pas échanger, hop, gestion des cases, gestion des dégâts, voilà. Ah, j'ai bien une case de colline ici. Ok, c'est-à-dire que... Toi là, tu vas aller plutôt te mettre là-bas et me faire une petite mine afin d'aider à faire la tour Eiffel. Ok, et toi, tu es enfin arrivé. Fais-moi une petite œuvre. Waouh, c'est une peinture. Ah, il y a deux personnes. Je sais pas ce qu'ils regardent. Ils regardent un truc. Je suis sûr que c'est une œuvre magnifique ou autre chose, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est littéralement ça. Ok, où est-ce qu'elle a fini? Cette œuvre d'art, je me dis, je commence à avoir beaucoup de trucs, ça va remplir tout l'inventaire. Ah, d'ailleurs, j'avais même pas vu qu'il y avait des bonus de si vous faites une œuvre d'art et qu'elle est déjà. Enfin, que genre l'artiste a déjà créé une œuvre d'art dans ce musée-là. Genre, ça donne un bonus de tourisme en plus. Intéressant. Là, il y en a un, justement. Bon, il faut. Faut que je me débarrasse de Michel-Ange. Il faut vraiment que je me débarrasse. Non, pas de Michel-Ange, de David. David, je suis désolé, mais. David, tu prends de la place, quoi. Il faut que je monnaie l'échange contre quelqu'un, là. Bon, déjà, allons voir les Américains et leur dire « Arrête de m'espionner, voilà. » Comme ça, ils se sentiront un petit peu plus redevables face à moi. Est-ce qu'on peut utiliser cette œuvre d'art comme monnaie d'échange contre quelque chose d'intéressant? Discours sur la première décade de Tite Liv. Ok. Peut-être avec Catherine. Ou bon, Catherine m'a dénoncé. On pourrait peut-être essayer de négocier avec Gandhi. Nous ne sommes pas intéressés pour l'instant, ok. Faut que j'essaye de me racheter auprès de Gandhi, là. Gandhi, tu veux pas David? J'en ai marre de David. Prendre la place dans mon musée, là. T'en veux pas, là? J'aurais quoi? Ah, le libre passage. C'est ce que je veux. Je pense que ça vaut le coup, parce que je vais pouvoir remplacer David par une autre œuvre, de toute manière. Et je récupère le libre passage avec lui. Ça veut dire que je peux propager mon tourisme chez lui. Honnêtement, je pense que ça vaut la peine. Surtout que je me débarrasse de David. Fuck David. Franchement, fuck David, quoi. Am I right? Ok, alors. Il faut que je vire ça, je pense. Ce sera le mieux. Ok. Hop, comme ça, il y a une seconde place. Comme ça, j'ai pas besoin de déplacer le gars. Et du coup, hop, il me semble que j'avais normalement... Non, le problème, c'est... Oui, du coup, il manque encore un troisième artiste, techniquement, pour faire une troisième œuvre d'art différente. Vous voyez, là, j'ai King Ying. Et puis là, j'ai Seong Yop. Voilà. Mais il m'en faudra un troisième, idéalement. Mais malheureusement... pas le cas. Il y avait aussi... Ah bah tiens là, j'en avais plus que je ne le pensais. Et Bosch... Non, c'était Bosch et Michel-Ange. Hein. C'est deux là qui ont fait des trucs religieux. Bon, c'est pas grave. Tour suivant. Un tour avant l'opéra de Sydney.
Ça va se finir ce tour-ci en fait. Quand j'aurai fini de passer le tour. Donc là, ça va être intéressant. Bla 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 bla. Je regarde là un assaut militaire. Bla bla bla. On s'en fiche. Car un opéra débute bien avant le lever du rideau et prend fin bien après sa retombée. L'opéra de Sydney. L'opéra de Sydney. Et du coup, ça me donne des optimisations. Les réseaux sociaux. Devant l'opéra de Sydney à Amsterdam, les citoyens sont béats d'admiration. Ah bah oui, prosternez-vous, bande de paysans. Quoi ? Alors, du coup, il me semble que... Du coup, maintenant, on a les trucs sociaux. Et ça, c'est puissant, la carte, ici, celle-là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, production de tourisme, plus 50% pour les civilisations avec lesquelles vous avez une route commerciale. Puissant. Vous avez aussi la mondialisation qui pourrait peut-être nous aider. Elle est plus intéressante au niveau commercial, la mondialisation, notamment un énorme bonus d'or et de production pour les routes commerciales. Toutefois, elle est quand même intéressante, donc je vais tout faire pour l'avoir. Hop. Ensuite, hop. On va, du coup... Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici? On n'a toujours pas de plateforme commerciale ici. Bah, ça tombe bien. J'ai pas rien fait à la place de la gouvernance aussi, il faudrait peut-être que je le fasse. Il y a des trucs pour aider au niveau de l'espionnage, si je me souviens bien. On peut acheter des castérins avec de la foi. Bon, on s'en fiche. Je veux l'agence de renseignement. Mais d'abord, j'aimerais la plateforme commerciale, honnêtement. Qui va me booster. Ouh la vache, plus 5 là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Est-ce que t'as de la bouffe? Suffisamment de bouffe? Ouh non, c'est très la misère niveau bouffe actuellement. Donc si j'enlève ce truc de bouffe, ça se finira mal. Il y a un plus 4 là aussi. Bon, je vais mettre là. Je sais, je perds, mais je manque de bouffe là. J'ai pas envie de les faire mourir de faim, quoi. Ok, j'ai le droit à un petit titre pour un de mes gouverneurs. Bah, regardons ce que nous avons. Double de tourisme généré par les chefs-d'œuvre d'artistes musicaux et littéraires dans la ville. Je vais faire tout pour avoir conservatrice, du coup. Ça, ce sera très très bon pour moi. Je mettrai en gouvernance dans la ville où ça m'arrange le plus. Actuellement, elle est à Maastricht, mais je pense que je la mettrai à Amsterdam. C'est là que j'ai le plus de place pour des œuvres d'art. Le coq! Ok, c'est juste un coq. Voilà, nous avons un coq. Voilà. C'est un coq, il paraît. Est-ce qu'il y a de la place pour des œuvres d'art dans l'Opéra de Sydney? Je suppose que oui. Oui, Opéra de Sydney. Trois places pour des trucs musicaux. Eh bien, il ne me manquerait plus qu'un un musicien illustre. Je suppose que la merveille a dû me booster ça au niveau du musicien illustre. Ouais, je suis à deux doigts de l'avoir, donc ça c'est nickel. Dans combien de tours en réalité je pourrais l'avoir? Donc j'en ai... Ça augmente 9 points par tour. Ah oui, là je l'ai en 3 tours en fait. Ok. Bon, on l'aura à la fin de l'épisode du coup, sans aucun problème. Donc ça c'est cool, c'est même très très cool. C'est-à-dire encore plus de tourisme. Plus de tourisme. Venez... Ah non, fuck, j'ai oublié de changer la carte. La carte qui permet d'avoir plus de tourisme avec la route commerciale. Goddammit. C'est-à-dire que maintenant, si je veux le faire, je dois payer de l'argent. Ok. Avec qui tu faisais une route commerciale, toi? Avec le petit allemand. Ok, on continue. Il faut vérifier les routes commerciales maintenant pour être sûr qu'elles soient correctement. Voilà de quoi booster la tour Eiffel. Hop, hop, hop. Toi, tu vas attendre ici. Il n'y a plus rien que tu puisses faire pour le moment, de toute manière. Je suis désolé, mais... Voilà, c'est un petit peu la réalité des choses. Ah, si seulement j'avais une ville en plus ici. Surtout qu'ils en ont fondé. Regardez ça, Chicago plus Phoenix. Du calme là. Du calme, franchement. Ah, je regrette de ne pas avoir eu ma ville là. Franchement, ça aurait été génial. En plus, ça booste les Américains. Ça, je pense que c'est la plus grande erreur que j'ai fait récemment. Ok. Quelle est la situation? Ouais, ça progresse bien niveau tourisme. Ça progresse plus vite. Le nombre de touristes qu'il nous faut pour gagner, donc ça c'est déjà un bon point forcément, mais bon, c'est pas encore assez. Après là, ça va être, comme je le dis, en late game avec le tourisme, c'est effet boule de neige. Et c'est vraiment, les choses s'enchaînent tellement vite. Vous avez les doctrines, voilà, avec plus 50% de tourisme, c'est boule de neige franchement. Là, dès que j'activerai la carte, je vais l'activer d'ailleurs. Il faudrait que je l'active, j'ai encore oublié, hein. Déjà. Ah oui, déjà, musicien illustre.
Hop, hop, hop. Où es-tu, Jean-Luc? Alors, toi, là, on a fait le truc commercial ici, non? Je sais plus ce qu'on a fait ici. On a fait quelque chose, peu importe. Il n'y a aucune merveille possible pour le moment. Regardons la situation de la ville. Beaucoup d'activités, pas mal d'habitations. Pas besoin de quartier résidentiel ou autre chose. Excellent. On pourrait peut-être faire une petite bourse ou autre chose. Pour booster l'or encore plus. Ouais, ça m'arrange bien. Vous savez que j'aime bien l'or. J'aime bien l'utiliser ou autre chose. Ah, tiens, nous avions perdu celle-là. Et nous avions toujours celle-là, c'est bon. Et nous avions perdu celle-là. Désolé les gars, mais c'est à moi. C'est à moi ces deux-là. Hop, hop, hop. Je les reprends. À moi. Ok, alors allons changer cette doctrine avant que j'oublie encore une fois. Donc, oui, pour changer de doctrine, ouais, il devait payer de l'argent. C'est pas grave, on a du cash. Ok, donc il me faut celle qui booste de 50%. Triple tourisme généré par les chefs-d'œuvre musicaux. Production de tourisme plus 50%, voilà ce qu'il me faut. Ok, on va peut-être abandonner. Science pour les bâtiments des campus plus 50%, c'est la ville, blablabla. Je me demande lequel me donne le plus de science en réalité. Je ne sais pas c'est lequel des deux. Bonus de proximité pour les plateformes commerciales et les ports. Ça, je pourrais l'enlever en échange de... Je sais que ça va m'enlever de l'or, mais voilà, faut que je continue. Le bonus là, il faut pas que je l'enlève trop. Celui-là, je pourrais commencer à l'enlever parce que j'ai plus besoin de trop de culture là. J'ai à peu près eu toutes les dogmes dont j'avais besoin. Je pense que c'est celui-là que je devrais enlever en réalité. Ouais, on va mettre ça à la place, voilà. Et puis il y avait donc le triple de tourisme généré par les... Ça, c'est puissant, hein. C'est quand même puissant, surtout que je vais avoir 3 œuvres musicales encore en plus. Donc c'est très puissant. Maintenant, la question est... Je pense que le mieux ce serait de retirer le bonus de proximité. Je crois pas qu'il doit être si massif que ça. On verra bien. Je suis à combien de science plus 153. Hop hop hop. Ouais, j'ai perdu une petite dizaine de science. Je pense que ça vaut la peine vu ce que je vais gagner niveau tourisme. Et je pourrais toujours compenser en faisant d'autres bâtiments scientifiques quoi qu'il arrive. Donc ouais, je pense que ça vaut la peine. Ok, va me... Tiens, comme cette ville manque un petit peu de bouffe, je devrais peut-être faire des fermes ou autre chose. Ah, tu es là. Tu es mal foutu, toi, par contre. Ok, viens ici. Tour suivant. Ok, j'ai hâte de mettre les trois œuvres là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est la religion. On vient vous convertir. Non, 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 non. Tu veux mon jade contre tes truffes et tu m'offres de l'or en plus. Nice. J'accepte totalement, mon petit Gandhi. Deviens mon ami Gandhi. On est bien. Ce sera un plaisir d'annoncer au monde que nous avons des liens d'amitié. Oui. Ah, il faut refaire l'alliance avec les Américains. Ok, ok. On va faire ça maintenant avant d'oublier. Alliance, c'était une alliance culturelle si je me souviens bien. Hop. C'est pas forcément la meilleure alliance ou autre chose, mais c'est toujours ça. Ok, toi, tu vas pouvoir aller ici. Ah, il est un petit peu trop loin, donc il va lui falloir un tour en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, je pense qu'on manque de citoyens pour... Et puis, j'ai optimisé en production la ville, donc forcément, c'est pour ça. Mais bon, ce sera utilisé quoi qu'il arrive un jour ou l'autre quand il y aura un nouveau citoyen. Ok, tour suivant. Donc, il me faudrait vraiment la technologie pour le pétrole, parce que là, du coup, j'ai du pétrole juste à côté. Genre dans le lac, quoi. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Ça marche, ça marche. 296 de tourisme, d'ailleurs, au passage. Bientôt, une nouvelle route commerciale. Hop. Voilà, un petit chef-d'œuvre. Ouh, 308, la vache, vous avez vu ça? Ok. Ça, c'est puissant. Regardez ça. Juste 12 de tourisme pour une œuvre. Ah oui, parce que c'est x3, quand même. Donc ouais, c'est... Oh! Ah! Ah! Que les choses tournent! Est-ce que t'essayes de faire la tour Eiffel dans Ulm? Qu'est-ce que t'essayes de faire l'allemand? Il essaye de faire la tour Eiffel dans cette ville qui... Alors, elle a pas mal de prod, mais elle n'est pas non plus méga. Enfin, allez, voilà quoi, il y a un peu de prod là, un petit peu de prod là. Je sais même pas si ça appartient à elle, cette case. Il y a bien le truc... Non, mais c'est pas la meilleure ville pour ça. On voit clairement d'ailleurs que je suis beaucoup plus avancé que lui. Et en plus, sa ville est en rébellion. GG.
Ok, alors ça, c'est une occasion à ne pas manquer, je peux vous le garantir à 100%. Viens là, mon petit. D'ailleurs, toi, je peux pas t'améliorer. Chevalier, c'est pas forcément la meilleure chose au monde, mais bon. On pourra améliorer un petit peu toutes nos unités, là. Il faudrait peut-être que je mette une carte pour faire ça. On fera ça dès que je pourrai changer de carte. Le truc que je suis en train de me dire, là, c'est de tout simplement mettre des unités militaires près de Ulm. Parce que quand elle passe de l'autre côté, donc quand elle devient rebelle, je peux la capturer. Et... alors les Allemands seraient pas forcément les plus contents, mais ils seraient pas vraiment en droit de dire grand chose en réalité. Donc je pourrais me faire une ville gratos supplémentaire, et ça, ça peut valoir largement la peine. Et ça comblerait le trou ici en plus. Et elle est pas mal niveau prod, donc ce serait une bonne petite ville à avoir franchement. Donc ouais, j'aimerais beaucoup avoir Ulm. Mais bon, 322 tourisme, bim. Allez, attendez. Encore un peu plus, encore un petit peu plus. Attendez ce tour là. Ah non, j'ai déjà tout ce qui... Non, il m'en... What? Il m'en a fait que deux là pour le moment. Ah, peut-être que je le vois plus parce qu'il a été utilisé. Ou alors il avait que deux œuvres musicales dans son inventaire, on va dire. Ouais, il était pas très productif hein, ce musicien illustre, mais bon, c'est toujours ça. Une ville libre, Buffalo se comble à la pression étrangère et demande à rejoindre l'Empire de la France. Ah! Ma foi. Ah oui, voilà, Buffalo a rejoint la France, ma foi. Habitant de la France, vous avez une nouvelle ville, Buffalo. Voilà. Une cité était inconnue, était vaincue. Ouh, ça c'est pas bien. Ok. Et j'oublie de souvent lire ces messages-là, mais bon. Hop, on va laisser tout ça de côté. Ok. Un tour avant la route, une nouvelle route commerciale, qu'on va évidemment faire avec une cité, avec un empire que je ne commerce pas encore. Parce qu'il faut en avoir une pour chaque personne, je vous rappelle. Donc certainement... Qu'est-ce qui se passe? Un allié, votre délégué, blablabla, 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 j'ai pas vu. Un allié signale que l'Allemagne a déclaré la guerre à l'Inde. Est-ce que ça veut dire que techniquement je suis en guerre contre l'Inde? Oui. Fuck! T'étais obligé de faire ce genre de truc, là, l'Allemand, là? Ha! Encore... Nouveau titre de cet épisode. Une guerre inutile. Version 2. C'est vraiment ça, quoi. Deuxième guerre inutile, juste pour le... Pff, ça sert à rien, quoi. Eh, j'ai perdu une route commerciale, non? Il me semble que j'ai perdu une route commerciale. Gouverneur Demi? Le gouverneur Haman n'est plus posté à Antioche. Ah, ok. What the... Ah, c'est cette ville-là qui est tombée. Oh, bande d'enfoirés, les Américains. Oh, la bande d'enflures. Oh, je vous jure. Ok. Est-ce que j'ai perdu en plus ma route commerciale? J'ai pas l'impression d'avoir perdu la route commerciale. Je pense qu'elle est en cours de renouvellement actuellement. Ok. Oh, je vous jure. Quelle bande d'enflures, quoi. Bon. Ben, faisons... Ah, j'ai pas droit à une route commerciale en plus, là? Malgré la place, là? What the fuck? Ah non, il me semble que... Ah si, voilà, il faut faire le marché. Ou alors, peut-être que avec le port, j'ai pas droit en réalité, je pense. Bon, c'est pas grave. Ok, alors toi, là. Ben voilà, c'est celle-là qui s'est défaite. Ah ben voilà, il me semble qu'elle était pas avec la cité-état. Ah, c'est possible. Regardons au niveau des routes commerciales. Donc, j'ai 3 routes commerciales actuellement. J'ai absorbé vers Mayence. Vers machin chouette chose. Ah, j'en ai 2 avec l'Allemand, en fait, actuellement. Ça, c'est pas bon. Il faut que je les renouvelle avec d'autres personnages. Bon, les Américains, je pense qu'on est pas mal au niveau culture avec eux. Je pense que le mieux, ce serait une route avec Moctezuma. Le seul problème... Est-ce que c'est... Non, elle est là. Le seul problème, c'est que Moctezuma, il est sur le chemin des Hindous. Et du coup, je sens que je vais... perdre cette route commerciale, un de ces quatre ou autre chose. Mais bon, on va tenter le coup. Qui sait? Ok, alors une... Je sais pas si j'ai le droit... Alors, je vais peut-être devoir transférer à Rotterdam la route commerciale. Hop. Comme ça, je serai plus proche de Moctezuma et normalement, ça devrait être bon. Après, je suis pas sûr de pouvoir faire une route commerciale avec lui parce qu'il me semble qu'il est trop loin. Ah, Brême. Brême qui cède à la pression française. What the fuck, la France? Ok. Juste, ok.
D'où ? D'ailleurs, Ulm, aussi bien si ma pression est trop forte, elle va passer toute seule dans mon camp. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Enfin bref, tour suivant. Ça devient ridicule tout ça. Et je pense que ce sera notre dernier tour de l'épisode. Allez, signale que si tu as construit le chantier naval dans sa ville. Converti au catholicisme, ok, un allié. Un allié signale qu'il a réussi à piller une banque ennemie avec un corsaire, c'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Un monde sans radio. Ok, un monde sans radio. Oh, est-ce que je vais avoir un âge d'or? Fuck, je vais avoir un âge d'or. Damn it! C'était le pire moment où l'avoir en réalité. Parce qu'il reste encore un âge après l'âge moderne, il me semble. Il me semble, hein. Je suis même plus sûr en réalité. Mais attendez. Époque atomique. Je sais même plus en fait. Bref, on a fini la truc. Ici, ah ben voilà, le puits de pétrole, je l'avais même pas encore en réalité. Nous pourrions faire éventuellement... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, déjà, on a eu la station balnéaire, ça c'est cool. C'est même très très cool. Est-ce que je vois un bonus de tourisme quelque part ici? Non. Ben, je m'en fiche, littéralement. Et il me faut le pétrole, c'est cool le pétrole, c'est toujours un bon point, ça apporte le blindé... Il me faudrait aussi l'infanterie plus tard, parce que j'ai pas mal d'infanterie. En réalité, non, je vais plutôt prendre l'infanterie, comme ça je pourrais avoir amélioré mes unités vers l'infanterie. Et ça, c'est plutôt bon. Ok, toi, t'es enfin arrivé là. Est-ce que tu peux faire une route commerciale avec l'autre, là? Non, marche pas. Marche pas du tout. Dommage, dommage. Ok, on va peut-être faire une route avec l'américain, du coup. Alors, qu'est-ce qui rapporte le plus d'or? Popopolo. Ah, on pourrait faire une. On pourrait faire une route avec. Avec la française, oui. Oh oh. Établir la route, voilà. Histoire de la convertir petit à petit. Ok. Lui donner sa propre culture à elle. Par contre, le truc avec le. Avec Gandhi, ça m'énerve, ça. ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Quelle est la situation? 63 sur 181. Ça commence à monter, hein, niveau touriste. Je sais pas où, mais ouais. Est-ce que... oui, la provenance de tourisme ici, c'est... les touristes qu'on voit ici, c'est les touristes étrangers qui viennent chez moi, si je ne m'abuse. Du coup, on peut voir avec qui... Vous voyez, avec, ouais, avec Pierre le Grand et Moctezuma, j'en ai pas trop. Donc il faut que j'en ai plus avec eux. Le problème, c'est qu'ils sont trop loin de chez moi et que je peux pas vraiment faire de route commerciale avec eux. Donc il va falloir... encore avec... Avec lui, ça va se développer. Parce qu'on a normalement le libre passage. C'est juste que ça fait pas très longtemps qu'on le connaît. Donc c'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Est-ce que j'ai automatiquement le libre passage? Il me semble. Hein. Oui, je l'ai. Donc, ma foi, normalement, ça devrait se développer au fil du temps. Bon, ben merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Civilization, en tout cas. Normalement, il sera sorti, oui, dimanche. J'ai oublié de prévenir que le vendredi, il n'y avait pas d'épisode qui sortait. Je suis désolé. Donc cet épisode est sorti normalement dimanche, voilà. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode et je vous dis salut à tous.